Je ne veux pas. Ah oui, il faut qu'on referme ici, qu'on fasse un mur. Il faut que je fasse un mur. Bah, un mur en ardoise. Pas vraiment pour le moment. J'ai plus besoin d'une porte pour l'instant. Et on changera après. Je fais rapidement une porte. Non, une porte en bois. Voilà. Sinon, tout va pourrir. Enfin, tout va diminuer de qualité. Enfin, vache, tu sois Nibelule et puis tu me soigneras Grizzly. Ok. Grizzly avec ça, c'est bien. Oui, ça, Bud. Viens juste me faire. Tu vas me transporter ça. Et puis après, on dira que. Tu veux essayer de recruter Bess, c'est une bonne idée. Alors maintenant, je vais demander à ce que mes personnages n'aillent plus s'occuper des personnes. Voilà. Donc je souhaite que tu ne viennes plus ici dedans. Je ne veux pas que vous vous occupiez de tout ceci pour le moment, sauf de la porte. C'est pas vous allez transporter tout ça. Vous avez quelqu'un d'autre qui va s'en occuper. Par contre, je souhaite que Rimem, qui a 3,74, c'est pas assez. Lisa peut-être. 3,19, non. Dame, 6,88, anarchiste. Sky qui est parti te reposer, ok. Et je voudrais que tu aies des médocs. Et que Vache s'occupe de toi.
Donc là, je devrais aller me chercher d'abord des médocs. Ok, c'est bon. Température ici 18, c'est parfait. Ouais, t'as été bien soigné, toi. Oh, 24, quoi. C'est pas beaucoup, 24. Mais bon, ça devrait être suffisant. Alors, qui est-ce qui va aller me faire cette porte là-bas? Qui est-ce qui va me faire cette porte? Ah ben, je pense que Sky va y aller. Mais elle a plus que... Ah oui, elle doit attendre, malheureusement. Maker. Bah, pourquoi pas Maker? Ils ont bien dormi et tout. Viens me faire cette porte-là, mec. T'as 20-45, donc jusque-là, ça va aller. Allez. Alors, pas lourde, elle est où? Pas lourde, elle est là, pas lourde. On a déjà... Best est déjà réparé. Déjà chez nous. Mais c'est bien. Que voilà une bonne chose. Donc, si tu vas aller un petit peu là. Voilà. Alors, assignation. Ça a été vite, hein? Déjà, toi, tu deviens un ouvrier dès le départ. Voilà. En plus, tout le monde va repasser dans ses habits normaux. Donc là, malheureusement, je suis obligé de faire comme ça. Je peux pas faire de glisser-coller. Voilà. C'est le seul truc où on peut pas le faire. Bess, tu deviens une pâte et tu deviens sans drogue. On va faire. Alors, où es-tu, Bess? Je vais te mettre au bout comme ça. Je sais que tu es là-bas. On va te mettre quoi, toi, comme 10-14 en mêlée, 10-87. Ouais. On va voir. Pour le moment, tu vas me faire du nettoyage pour l'instant. Parce que j'ai besoin que tu me fasses du nettoyage, mon ami. Deux. Monde, hein. Je vais remettre tout le monde en deux ici. C'est recevoir des soins. Hein. Donc c'est ça qui est important à lire. Se coucher pour des soins d'urgence. Donc c'est si on est blessé gravement. Et si on a simplement des soins à avoir, on va se coucher. Par contre, le repos ici, c'est rester au lit après. Si on n'a pas autre chose à faire. Donc, logiquement, il faudrait plutôt que je remonte tout le monde à peu près à 6. Ouais, c'est d'ailleurs ce qu'on va faire. On va mettre 6. 6. C'est de problèmes médicaux, voilà. 6. 6. À moins que je veuille que la personne reste au pieu. Hein. Voilà. Pour le moment, je mets tout le monde à 6, sauf Maker, que je vais remettre à 5. Parce que j'aime bien que Maker soit en pleine santé.
avant d'attaquer le matos, enfin de faire le truc, quoi, comme d'habitude. Ok, alors baisse de bon, ben là tu tournes à zéro. Et tu peux aller dire bonjour aussi, comme tout le monde. Manutention, sauf les caisses. Alors, geôlier. Alors, Tommy. Pour le moment, c'est Chauve qui s'en occupe toujours. Alors, dresseur, tu peux pas faire best. Alors, de la bouffe. Dépecé non plus. C'est comme tout le monde, t'as rien du tout. On a ce qu'il nous faut. Ensuite, chasseur. On verra bien. Constructeur. Tu n'as que 5. Hein. Fermier, oui. Oh, t'as zéro. Mais t'aimes bien. Si t'as plus rien à foutre, tu pourras aller semer. Miner. Miner, ok.
Qu'est-ce que tu fais là? Oui. Tu fais quoi là? Tu vas pas enlever ton casque. C'est quoi là? La porte est verte? Ok. Viens plutôt me ramener ceci. Voilà. Avant de porter ton casque, ma porte. On va la laisser ouverte pour l'instant, mais au moins comme ça tout est protégé. Et je voudrais bien que mes animaux viennent s'occuper de faire tout ce qu'il faut. Alors on a Giro là-bas. On a Decker qui me fait quoi? Ouais, bah on va manger de toute façon. Alors, est-ce que tout le monde a été soigné? Je crois que Grizzly a été soigné. Les bellules aussi. Allô. Aussi. Aussi. Pas l'ours est en bonne sang, en bonne voie. Tommy est en bonne voie. Alissa est en bonne voie. Et Sky attend d'être soigné. Donc vache. Tu voulais bien venir me soigner Sky qui va se prendre du truc. Donc vache, elle a été soignée. Reste bien au lit. Ok, on peut rouvrir les portes ici pour le moment. Je voudrais bien que les animaux oui, si je fais pas comme ça pas y arriver. Ceux-là viendront en dernier. Ensuite, les ânes. Ouais, on devrait le faire, les ânes. Ah oui, je ne savais pas par où venir. Alors, disons par ici alors. Hein? Normalement, il devrait pouvoir y arriver. Donc, ça c'est fait. Ça c'est fait. Best est déjà habillé, mon petit. Bien, il me faut également récupérer ici. Un gilet pare-balles. On va déjà commencer avec ça. C'est le plus important dans toutes mes affaires. Pour l'instant, ça va être désactivé. J'ai pas vraiment besoin. Ensuite, ici au-dessus, est-ce qu'on a encore des... Ouais, on a encore pas mal de choses à faire. Mais j'ai plutôt besoin qu'on me... Bon, nettoyage a déjà été terminé. Ok. Donc on va
laisser tout le monde faire. Merci pour la grippe, hein, Randy. Enfin, bon, t'aurais pu mettre un deuxième raid tout de suite ou une infestation. Ça aurait pu être très sympathique aussi, hein. Bien, ben c'est une. Alors, Best, tu me fais quoi, Best? D'accord. On va te laisser pour l'instant, mais on va modifier, on va reprendre tout le monde, tout ce qu'ils avaient. Donc, on colle. Ce qui veut dire, mon cher ami, Best, tu fais celui-là et puis tu te tires. Parce que tu vas autrement être en mauvaise. Voilà, tu médites, tu me prends d'abord transporter ceci. Et puis on te ramène. Voilà, merci. Ah, voilà mes animaux qui s'y mettent. Sauf que c'est pas tellement ça que j'ai envie qu'ils fassent. Voilà, merci mon ami. On revient au planning et tu copies et je le colle chez toi. Ça, c'est été fait et tu deviens. Colon intramuros. Voilà. Donc, normalement, vous ne devriez plus y aller. Ici, par contre, je vais avoir des pépins. On va créer une zone. Il faut une zone intérieure. On va créer une zone ici. Architecte, une zone de stockage. Mettre une belle zone de stockage ici et je vais copier. Qu'est-ce qu'on va mettre ici dedans, mes enfants? Des textiles, du tissu. Ensuite, je sais pas. Bah, déjà le tissu. Alors, il faut que je change aussi ici dedans. Je vais devoir augmenter la taille à moins que je reprenne des trucs. Donc on va lancer la machine ici. Activer. Et je veux que tu me fasses des armes. Pas ça. Ça c'est quoi? C'est des armes à distance jusqu'à horrible. Ouais. Tout ça, c'est parfait. C'est exactement ce que je veux. On va même dire jusque. Au moins jusque d'horrible à normal. On va commencer avec ça. Et on va faire une recherche de 26. Je crois que 26, ça devrait aller. Ok, 26 c'est parfait, ça revient là-dedans. Allez les animaux, allez me porter. C'est quoi ça? Ah, c'est cochon. Ah ouais, on l'a déjà 3.
Autant faire les animaux, hein. Ben, je me suis fait avoir, je crois, ici. On dit ça. Totalement guéri. Bonne. Normalement, tu dois dormir, c'est parfait, c'est l'heure. Et toi, pourquoi tu vas pas dormir? Parce que tu n'es pas fatigué. Bud, guéri. Ok, voilà, ici. Ah, on voit qu'on a des gens qui sont repartis là-bas. Terminer le minigun. Bon. Alors, mon minigun, il est comment? Il est excellent. Eh bien, c'est parfait. Donc, ça ne change pas ça, ça ne change pas ça. Par contre, les dégâts, multiplicateur de qualité, ça n'a rien changé. Quelle est la différence alors avec... Non, même pas là. Dégâts en mêlée par seconde, on s'en fout. Donc, comme vous voyez, extrêmement mauvais. Et on dirait que, sincèrement, que le modificateur de qualité ne change strictement rien. Hein? Multiplicateur de qualité 100%, alors que je suis excellent. Donc, à mon avis, le minigun, il n'a pas de. Il ne change rien. Ok. Ça va être pour notre seconde ligne, quand il y aura des araignées ou des mécanoïdes. Alors, libellule, t'es... On a terminé. On a terminé. Maker, t'es là-bas, c'est parfait. Alors, je voudrais bien que quelqu'un me fasse ceci. On va savoir s'il y a une possibilité. Allez, ça c'est vide. Je serai content quand ce sera fini que je puisse mettre des sécurités de nouveau. Alors, par ici, où est-ce qu'on en est? Je pense qu'on va quand même pouvoir faire un grand bâtiment parce que je me suis gouré en me disant à cause des toits, mais non, on a des toits lourds. Mais du moment que je respecte, j'ai 11 cases entre deux murs, il n'y a pas de problème. Hein. Je pense que ça devrait nous aider. Tommy, bien mon petit, je suis content pour toi. Alors, composant s'est détérioré lors du
stockage. Ah merde, oh pardon. Ah c'est con ça, je sais plus combien il y en avait. Bon tant pis, c'est pas extrêmement grave. Bon, on est le 1er décembre. Toujours pas de commerçants. Toujours pas de commerçants. Nos animaux. Alors, est-ce que j'ai encore des mâles? J'ai un mâle ici, et c'est tout. J'en ai pas d'autres. Ok, mon petit Adon. Ah oui, toi tu viens avec les copains. Voilà. Alors, je voudrais que tu commences plutôt par. Donc, tu veux par cycler des armes. Parce que j'ai oublié de mettre. Non, c'est pas celui-ci. Toi, je te vire. Toi, c'était pour les masses en uranium. Celui-ci. C'est celui-ci que je veux que tu me fasses. Donc en boucle, et on va arrêter de te suspendre. Voilà. Anarchiste, par contre, va peut-être falloir que tu ailles te reposer. Ah, va te reposer, il y aura quelqu'un d'autre qui ira à ta place. Allez, joue ton petit clavecin, Tommy. Maker, tu me fais ça bien. Mon chapeau, c'est pas grave. Bon, là, on perd pas mal de temps, là, malheureusement. Bien, Libellule, je suis très content que tu sois guérie, ma belle. Scanner sous terre, on a trouvé de l'or. C'est parfait. C'est un peu loin de chez nous, quoi, mais ça va. Allez, mes petits animaux, je voudrais que vous me finissiez ça en beauté. Merci, mais oui, bah oui. J'adore Libellule qui est occupée de faire son plaisir. Mais elle va faire ses petits fauteuils. Ok. Alors, j'ai remis aussi un truc ici, mais il me faut un fauteuil également. Et donc, on va faire ça. Pas lourd, au fait, je t'ai recruté, hein. Ouais, ouais, parfait. Un tissu bon, on va dire désinstaller. On va plutôt réinstaller ici. Par contre, celui-ci qui est excellent, tu vas plutôt le réinstaller ici.
Merci Rimen, je voudrais que tu viennes d'abord faire ceci. Donc d'abord, tu vas ranger ça. Non, tu peux pas, ok. All right, un colon a besoin de soins comme d'habitude. Sky, ouais. Tu vas prendre ceci. Tu transportes. Et les autres, ils finissent leur petit travail. Bud, tu aurais pu aussi. Et Decker, je pense que tu n'as rien pris avec toi non plus. Tactique de recrutement pour vache. Alors, où est-ce qu'on en est ici? Mon prisonnier, résistance restante, ok, donc vache. Et voilà, vache sera la prochaine. Anès a donné naissance, c'est parfait ma belle. Bon, au niveau de ma bouffe, on est toujours avec 5000 de plantes. En fait, je vais avoir des trucs qui vont peut-être pourrir moi ici, non? Ça, c'est ok. Alors ces deux là, on va les récolter, comme ça on a la paix avec eux. Celui là même chose, hein? Puisque je veux ici tout autour. Oui, là ok, là c'est ok. Ensuite on n'en a pas d'autres, si peut-être. Zone agricole, ok, c'est bon. Disons que ici c'est du cactus, ça va aussi. Bien. Alors, il va me falloir, quand on a fini de nettoyer tout ça, refaire notre mur. On a pété tous nos murs ici, hein. Vous avez vu ça? On a pété tous nos murs. On a pété tous nos murs. Donc on fera ça après. Donc logiquement vache va aller bientôt. Voilà, elle y va, comme une grande. Bonjour Palourde, comment vas-tu? Merci Palourde. Et voilà, ça c'est fait, ta porte reste fermée, toi ta porte reste ouverte ici par contre. Alors, mademoiselle Palourde, comment allez-vous ma chère enfant? Voudriez-vous ne pas prendre de drogue, s'il vous plaît? Vous allez passer au... On va faire comme tout le monde ici, sauf...
sur Sky qui continue avec son truc là. Voilà, tout le monde est comme ceci. Pas lourde, tu passes en ouvrier et tu passes en pâte, comme tout le monde. Ton travail, d'abord ton planning. Allô, pas lourde. Et pas lourde. Voilà. Ensuite, on va modifier le travail de Palourde. Qu'est-ce qu'elle s'est fait? Alors, elle passe en 2. Palourde. Est-ce que tu es compétente là-dedans? Absolument pas. Jolie ma belle, tu sais strictement rien faire. Donc comme tout le monde, tu me fais un petit 5, un petit 3 et un 0. Ici, tu es dresseur, pas du tout. Donc nourrir les animaux, un petit 5. Là, tu vas pas t'en occuper. Alors, est-ce que tu es capable de faire quelque chose ici? Ensuite, fermière, 5, ouais, c'est bien. Ok, tu peux semer. Ici, tu ne fais strictement rien. Forestier, je t'enlève. Alors, du forgeage, oui, tu peux fabriquer des armes, non. Assemblage, oui. Des objets, oui, et couture, 0. Art, on oublie, artisan, ok, objet, 6, 6, la drogue, ok, on va mettre un 6 aussi. Okay, et les objets, voilà. Ensuite, ici tu es en transporteur, on va te mettre à 4, 0, 7,
nettoyage. Tu vas passer en 8, mais je te mets en 8 comme celle-ci. En 8. Et c'est 9 et 10, hein, je ne sais plus l'heure. C'est 9, 10, 21, 22. Voilà. Et donc, pas lourde, tu viens ici. Voilà. Je peux fermer ceci. Bonne fête. Donc vache, c'est fini. Palourde, c'est fini. L'unité malheureuse, ça ne devrait pas durer. Voilà. Occupez de faire tes petits trucs. Alors, palourde, qu'est-ce que tu as comme fringue cette fois-ci sur toi? Tu as un manteau en tissu. Oui, c'est un petit peu logique. Et par contre, ça, tu as une bonne guenille. Ok. Parce que j'ai plus de manteau pour le moment, mais en voilà un. Donc à mon avis, pas lourde, elle va vite changer après, à moins que quelqu'un d'autre le prenne, hein. Avant elle, ouais, ça c'est pas un bon endroit, mais j'ai plus de place. Ok, Bess, tu me fais quoi pour le moment? Tu te reposes. On va te reposer. Alors, on est bon au niveau ici. Là-bas, il me semble qu'on a à peu près terminé tout. Voilà. On a fini. Donc, pour le moment, on va laisser tout ça comme ça. Le temps qu'on termine nos petits cadavres, il n'y en a plus beaucoup. Et bien, ça nous a fait une petite ouverture, hein, finalement. On a une ouverture maintenant. Du commerçant, ça fait quand même plaisir. Sincèrement, ouais. Alors, un colon a besoin de soins comme d'habitude. Je vais changer un peu ma technique. Je vais mettre ici vache avec son copain Tommy. Voilà. Comme ça j'ai plus facile à la retrouver. On va la laisser finir de faire l'amour. Et puis on ira. Ils ont fini, vache, tu peux y aller. Ah, on voit que toi, tu as eu un problème, Lisa, c'est que ton lit n'est pas au bon endroit. Et donc, à chaque fois, tu te fais réveiller à cause de cette porte. Ça, on en a 5 cases normalement. Elle n'est plus réveillée, c'est bon.
Alors on n'a plus de place pour le faire. C'est un petit peu embêtant. Donc, si je regarde bien, non, le fer ne va que jusque là. Donc on va agrandir la zone un petit peu aussi, hein, voilà. Jusqu'ici, et ici avec. Voilà, déjà, un petit peu. Et ici aussi, on va agrandir. Voilà, comme ça, on n'est plus autant embêté. Bon, ça va m'en ramener beaucoup, mais... pas l'eau. Elle est complètement guérie, Palourana. Montre-moi un peu ton état, s'il te plaît. C'est bien ça. Ça, c'est malheureusement... tu as une douleur de 8%. Mais bon, on ne peut rien y faire. Là, je ne peux pas te changer ta tête, ma pauvre fille. Mais bon. Tu as eu beaucoup de rivales qui sont morts. Beaucoup plus que des amis, d'ailleurs. Le problème, c'est qu'en ayant mis des possibilités de plus pour ça, ça va me faire perdre un peu de temps sur mes cadavres. Un chef-d'œuvre. Gulit sauvage, un chef-d'œuvre, c'est bien. Alors, on a des médiocres, oui, donc ça devrait se faire tout seul, hein. Petit à petit. Wake up. Oui, on s'en fout de ce wake up là-bas. Il n'y a plus rien ici, à part... il n'y a que trois trucs qui m'intéressent, c'est ça. Mais à part ça, il n'y a rien d'autre. Est-ce que ça se... non, ça ne se détruit pas. Même si le plafond est une bonne partie ouverte, tant que c'est pas marqué extérieur, donc tant qu'il y a un certain pourcentage, je crois que c'est 10%, ou peut-être 30%, je ne sais pas, il est marqué qu'on est toujours en intérieur. Et donc, les produits ne s'abîment pas à l'intérieur de ce truc-là. Best et guéri. Des loups de bois en pleine migration. Des loups de bois. Alors, c'est quoi des loups de bois? Des louves qui résistent à 40 degrés. Dommage. Saleté, elle n'est pas très sale. Et elle peut transporter. Elle mange rien. Il faut 8 de dressage. Par contre, ça a quoi comme cuir? De la fourrure de loup. Qui n'est pas mal. Difficile à percer et isole bien contre le froid. Une valeur marchande de 3, ce qui est pas mal. Ok, le petit gars, on va... alors, tu passes, vous allez passer par ici, donc c'est parfait. Il me refaut une porte. Si je mets une porte tout de suite là, ça n'ira pas. Donc on va prendre les gens qui savent tirer. Ouais, vous allez venir ici.
Ah, pas lourd, ma chère, pas lourd, tu sais faire quoi? Oh, t'as une bonne mêlée. Et t'as du tir. Alors, ta mêlée, t'as combien? T'as 10, toi. On verra après. Donc, pour le moment, pas lourde. Prends-toi un. Oh, oui, un fusil à pompe. Et puis, pardon. Bouche derrière, ma belle. Voilà, Rimem. On va te laisser bouffer. Allô? Ça devrait être bon, hein, tout ça. Et Monsieur Best, vous allez aussi vous prendre un flingue. Alors, bah, on a un petit truc ici. Tiens, ça. Et puis vous venez ici, mon ami. Et enfin, nous prenons Grizzly et nous la mettons devant. Ça c'est con, parce qu'ils vont tous passer par là. Mais bon, tant pis. Donc pour le moment, on laisse ça ouvert. Autorisé, pardon. Maintenir ouvert. Il y en a combien des... Il n'y a que ça, hein? 2, 4, 5. Je vois tellement gros rouge. Ok, bon, ça va. Il n'y en a que 5, la tâche est immense, quoi. Bizarre, hein? Marrant ça. Allez, on va vous replacer. Vu la taille du truc rouge, quoi. Elle va pas me prendre ma porte, hein. Wait. Là, ils sont...
Alors, il me faut une porte en fer. Il faudrait que je la laisse ouverte. Donc, on va demander à... et à Tommy. Ah, c'est quoi ça? Ah ouais, c'était quoi ça? Au Nexus, ah ouais, on avait quoi là? Ah, c'était méchant ça. C'était méchant ça. 5 centipèdes, 8 lanciers, 6. 15 centipèdes, 24 lanciers, 18 piquiers. Là, c'est... on est à 57... Et cela, il fuit pas, quoi. 57, dont 15 centipèdes. Ah, ben, là, c'est un peu trop, quoi. Tu me donnes des gens avec toi ou pas? Et ces alliés sont menacés de mort, ont besoin d'un endroit sûr. Cependant, les zones mi-1, oui, il y aura 3 raids, vous devrez maintenir l'humeur des impériaux au-dessus de 25%. Les impériaux précis, vous gagnerez des niveaux de relation. Mais tu me dis pas que tu as des gens qui viennent avec toi, c'est ça? Ah, c'est 9 de ces alliés. Ah ouais, quand même. Mais c'est cher, hein. C'est cher. Une chambre libre pour un compte. Alors, chambre libre pour un compte. Et royal, table de nuit, commode, un rideau. C'est tout ce que tu as besoin. Tu me donnes quoi? Ça, j'en ai pas besoin. Ça, c'est pas mal. Waouh, 21 000 balles. Ouais, c'est... bah oui, mais vu le truc... vu ça... 9 de ses alliés. Le problème, c'est... ils sont comment, ses alliés? Ils sont en... très costauds ou pas? Une 9 alliés, est-ce que j'ai la place pour les garder? 10 jours. Écoutez, je vais réfléchir à ça et je vous rejoins dans une prochaine vidéo. Je vous souhaite une très bonne journée. Salut.